Premier ministre, prenant la parole uniquement pour prononcer les mots de clôture de la conférence nationale souveraine. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président du Haut Conseil de la République, Excellence, Messieurs et Mesdames les membres du Haut Conseil de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium de la Conférence nationale souveraine, Excellence, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité au Togo, Mesdames et Messieurs les participants à la Conférence nationale souveraine, je voudrais associer ma voix au mot de remerciement qui ont été adressés à tous ceux qui ont œuvré, aussi bien au niveau des travaux préparatoires que pendant la conférence nationale souveraine, à la réalisation et au succès de nos travaux. Mais par-delà ces hommes qui ont travaillé avec la bonne volonté et la détermination que nous saluons, c'est surtout au peuple togolais dont nous ne sommes que les humbles représentants ici que je voudrais m'adresser. Vous avez, comme cela a été dit, le jour où le drapeau togolais est monté pour la première fois sur le ciel de la terre de nos aïeux, il a été dit, peuple togolais, par ta foi, ton courage et ta volonté, la nation togolaise est née. Ces mots restent toujours d'actualité. Peuple togolais, permettez que d'une manière non exhaustive, je m'adresse à vous dans votre globalité, mais que je m'adresse à toi dans tes différentes composantes. Je m'adresse à toi, mon frère Mina, à toi, mon frère Eze Wati, à toi, mon frère Adja, à toi, mon frère Ife Anna, à toi, mon frère Fon, à toi, mon frère Aposo Akebu, à toi, mon frère Agotine, Aron, Tosi, Anyangan, Adele, Kotokolitem, à toi, mon frère Bassar. Je m'adresse à toi, mon frère Konkomba, à toi, mon frère Chamba, à toi, mon frère Bago, à toi, mon frère Kabie. Je m'adresse à toi, mon frère Nao Deba Loso, mon frère Yaka Lamba Tamberma.
À toi, mon frère Gangan, Anoufo Chokosi, Moba, Gourma, Peul. À toi, mon frère Mossi, Yanga, Sola, Boufale, Aoussa, Yoruba, et à tous les autres que ma mémoire infidèle d'homme n'a pas pu citer. Sachez que la décision et le choix qui a été fait par la Conférence nationale souveraine a été fait en votre nom. Car vous êtes le peuple et c'est par représentation que nous sommes le peuple. C'est le peuple donc qui est ici présent et c'est le peuple qui il y a 3 jours a donc décidé que pendant ces heures difficiles que nous traversons, mais aussi pendant ces heures d'introspection, qu'en ce moment précis, j'incarne ton espoir. Je me considère en conséquence comme le premier ministre de tous les Togolais sans exclusion aucune. J'en ai prêté le serment solennel devant toi et en ce moment précis, je renouvelle ce serment. Excellence, Monsieur le Président du Haut Conseil de la République, Excellences, Messieurs les membres, Conseil, sans oublier Mesdames, du Haut Conseil de la République, mes chers collègues du Présidium de la Conférence nationale souveraine, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les honorables délégués et participants à la Conférence nationale souveraine, je déclare clos les travaux de notre Conférence nationale souveraine.